Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Nouveau glitch, duplication de tous les véhicules qui existent au GTA, sauf les véhicules blacklistés bien sûr, ce qui est les tanks d'avant, il y a pas mal de véhicules. Mais là, vous pourrez avoir tous les véhicules nouveaux, spéciaux, et j'en passe, avions, hélicoptères, à vous de vous amuser sur ce glitch. Donc là, on a trouvé une nouvelle méthode. Je vous la conseille. Elle est rare et on l'a trouvée par hasard. Donc encore merci à Kevin. Donc là, Kevin, il va m'emmener un véhicule spécial. On va prendre le laser, le nouveau avion de chasse. Le laser à 5 millions, je crois, un truc comme ça, un peu plus même. Et on va le rentrer dans le complexe et il va me le donner en même temps. Donc c'est un don de véhicule spécial, facile, sans fail les gars. Donc un gros pouce bleu, abonnez-vous pour ceux qui l'ont pas fait. Les potos, je compte sur vous, le soutien, c'est gratuit et ça motive. Donc là je vais vous montrer que j'ai rentré déjà le Hunter. C'est le nouvel hélicoptère qui arrache la map là, qui tire dans tous les sens. Il est dans mon complexe. Don de véhicule, ça c'est fait. Donc après on fera l'avion de chasse. Ça vous verrez qu'il rentre aussi. Vous pourrez vous donner l'anti-émeute, vous pourrez vous donner le char. Vous pourrez vous donner tout ce que vous pouvez essayer. Donc là, Kevin, il doit attendre un petit peu pour appeler son mécano et demander l'avion de chasse. On va patienter un petit peu. Et on va aller attaquer le glitch qui est très facile à faire. Vous allez le rater 0 fois si vous suivez bien la manip. Et je vous conseille de le faire avant lundi. Ça risque d'être patché rapidement, les gars. Remplissez tout. Regardez, moi je suis level 20. J'ai tous les véhicules full custom, modés. Je me suis mis bien avec ces glitches. Tant de véhicules. Il fait partie des meilleurs glitches qui existent sur GTA. Donc prenez un peu de temps et faites-le. Après vous serez tranquille. Allez, c'est parti. Donc on va sortir du complexe. On va demander l'oppressor. Enfin, vous pouvez le faire avec l'oppressor, mais en fait, je vais demander la Deluxo. Avec l'oppressor, c'est pareil, hein. Quand je vais traverser la dalle. Vous prenez l'oppressor, vous mettez les ailes, vous faites que accélérer, vous levez un petit peu le nez de la moto. Ça va vous donner le message et en même temps la moto, elle va traverser la dalle. Et là, vous pourrez valider le message comme moi avec la Deluxo. Donc avec la Deluxo, c'est le plus simple. À mon avis, tout le monde l'a maintenant, petit à petit. Sinon, il suffira de voir le glitch avant où je vous ai mis. Don de véhicule à deux avec une voiture de PNJ. Donc c'est sans oppressor et sans Deluxo. Vous faites ce glitch, donc après le Deluxo vous l'aurez. Allez. Donc là il faut que j'attende que Kevin se rapproche avec ma moto. Que je puisse commander la Deluxo. Les gars, je compte sur vous. Partagez les vidéos à vos collègues qui jouent à GTA. Ça fait toujours plaisir de se faire connaître. Compte sur vous. Un peu de soutien, un petit pouce bleu. Pour qu'on soit visible sur YouTube. Et voilà. Abonnez-vous à Kevin aussi. Je le mets dans la description, le poteau. Je compte sur vous. C'est lui qui m'a aidé à faire ces vidéos. C'est lui qui m'a aidé depuis un mois à lâcher des vidéos sur la chaîne. Pour que vous soyez au courant des glitches faciles à faire et bien expliqués. Je fais une grosse dédicace à tous ceux qui copient les glitches. Voilà. Il y en a, ils se prennent pour des glitchers, que c'est des grosses dindes. Voilà. Et ils se reconnaîtront. Entre dindons, il se passe le mot. Donc arrêtez de faire les mecs, ils ont inventé ci, ça, vous êtes rien du tout. Vous êtes des putaclics comme tout le monde. Et voilà, j'en suis une, t'en es une.
Et tous les gens qui sont sur YouTube, ils sont là pour avoir des clics, des j'aime et des abonnés. Donc il faut arrêter de faire les mecs, moi je, patati patata, qu'au final, t'es une grosse dinde. Voilà. Au lieu de critiquer les autres, regarde-toi le slip et tu verras qu'il y a des poils. C'est une petite parenthèse, les gars. Il y en a plein qui sauront de quoi je parle. Je vais pas citer de nom parce que je n'étais pas en face de moi. Ça sert à rien. Donc les gars, demain, dimanche, à partir de midi, Kevin va donner des véhicules aux abonnés. Donc si vous avez besoin de véhicules spéciaux ou quoi, abonnez-vous à la chaîne à Kevin. Soyez là à partir de midi demain. Il est énorme le poteau. Il a déjà donné plus de 200 véhicules aux abonnés. Et demain, il risque de donner beaucoup de véhicules aussi. Vu qu'on a des techniques assez rapides à faire. Et pas mal d'abonnés aussi qui aiment bien aider et renforcer l'équipe de Kevin pour donner des véhicules aux jeunes joueurs. Grosse communauté, les gars. Rejoignez-nous sur Facebook aussi. Moi et Kevin, on a une page Facebook que vous aurez dans la description. C'est Glitch Fun sur Facebook. Comme ça, on peut s'écrire des messages, s'envoyer des photos. Vous avez des notifications différentes sur les glitches avec le groupe et tout. Voilà les gars, rejoignez-nous sur Facebook. Ça bouge pas mal là-dessus aussi. Voilà. Allez, c'est parti. Donc vous avez vu, c'est le glitch, c'est la même histoire, hein. Vous allez sur le rond bleu, deux fois PS. Ensuite, vous traversez la dalle. Vous comptez jusqu'à 5. Vous validez le message. Et vous rentrez dans le complexe. Une fois que vous êtes rentré dans le complexe, vous n'allez pas switcher votre véhicule. Vous allez annuler le changement de véhicule. Entre-temps, mon poteau, il a mis l'avion au rond jaune à l'extérieur. Pas trop près du rond, parce que c'est un gros véhicule. Vous le mettez un peu à l'écart, à côté du rond, mais à l'écart. Dès qu'il a mis, vous dites à votre collègue, est-ce que tu l'as mis? C'est prêt? S'il est prêt, vous allez sur le rond jaune, vous faites X et vous spammez triangle. Jusqu'à temps que votre pote vous dise c'est bon, arrête de faire triangle, tu es rentré dans ton avion ou dans ton hélico ou dans ton véhicule spécial, peu importe. Mais spammez à fond tant que vous n'êtes pas rentré et attendez de valider, attendez que votre véhicule soit démarré. Sinon, vous n'allez pas réussir. Et si vous attendez qu'il soit démarré, vous allez faire 0 fail. Donc là, vous voyez, je spamme triangle. Mon ami me dit, quand je suis monté dedans, une fois que je suis monté dedans, je valide le message et je descends du véhicule spécial pour rentrer à pied dans le complexe. Et là, les gars, la duplication, c'est réglé. C'est pas plus dur. Donc, je pense pas que vous ayez vu un glitch aussi facile de don de véhicule spécial ou même ultra rare. Et voilà. Donc, dites-nous un peu ce que vous avez réussi à rentrer, si vous avez rentré le Buzard, si vous avez réussi à rentrer d'autres véhicules un peu spéciaux, quoi. À mon avis, il y a beaucoup de véhicules qui vont rentrer qu'on n'a pas à la base. Donc je vais faire des tests ce soir et j'aimerais bien rentrer des véhicules rares qui ne rentrent pas dans les garages. Ça devrait être faisable. Gros merci à vous pour le soutien les gars. Je vous fais une bise. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les potos, à bientôt.